Un très joyeux anniversaire au moniteur pour ses 70 ans. Ma découverte du moniteur ne date pas de 70 ans, j'étais pas né. Elle remonte à une quinzaine d'années. Durant mes premières années de pratique officinale, j'ai découvert ce journal supposé sur les préparatoires de l'officine dans laquelle j'étais à l'époque. C'est d'abord une lecture qui s'est faite entre deux clients, puis rapidement c'est devenu pour moi un magazine de référence que j'ai pris plaisir à amener chez moi le soir après ma pratique officinale. J'y ai découvert beaucoup d'informations importantes, souvent à la pointe de l'innovation. C'était pour moi vraiment une des méthodes de rester en contact avec la profession dans laquelle j'allais rentrer et la comprendre et apprendre quels étaient les bouleversements qui étaient en train de se passer, comment elle allait évoluer. Le moniteur des pharmacies, pour moi aujourd'hui, c'est finalement un magazine de référence. C'est là où je vais aller chercher de l'information, trier, de qualité. Une preuve en est, c'est finalement que vous ayez été un des premiers à parler de nous, le comptoir des pharmacies, qui, je le pense et je l'espère, est une solution pour les pharmaciens à la pointe de ce qu'on peut faire aujourd'hui. On a cherché à vraiment apporter à nos pharmaciens des solutions novatrices et vous avez su être notre relais de croissance. Vous avez su en informer vos lecteurs. Ça a été, je pense, une source d'information pour de nombreux pharmaciens et j'espère que vous le resterez pour les 70 prochaines années, à minimum, une des sources d'information les plus importantes que l'on puisse avoir dans le monde de la pharmacie, avec une information de qualité et léchée. Aujourd'hui, en tant que pharmacien gérant du comptoir des pharmacies, je tiens une nouvelle fois à vous souhaiter un très bel anniversaire, une bonne continuation. Continuez à faire votre travail comme vous le faites pour accompagner les pharmaciens dans leur nouvelle mission, dans l'évolution de la profession telle qu'elle est en train de devenir. On vous en remercie et grâce à vous, aujourd'hui, nos pharmaciens sont informés.